Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite recette sympathique, hyper rapide à faire, qui réchauffe le cœur, le corps, qui fait du bien, surtout en hiver. C'est du bouillon de poule avec des vermicelles comme faisait ma grand-mère. Et ça, croyez-moi, c'est juste génial. Vous pouvez rajouter des carottes, vous pouvez rajouter de l'oignon, comme moi j'ai fait, de l'ail, que je fais griller avant. Vous verrez, c'est juste nickel, ça passe bien, c'est hyper facile à faire, même les enfants, ils adorent. Profitez. Allez, on se retrouve juste après pour les ingrédients, juste après l'intro. En attendant, abonne-toi. J'espère que l'intro, elle t'a plu. Alors, pour ma recette de bouillon de poule au vermicelle, on aura besoin d'un cube bouillon et demi, suivant la quantité d'eau. Là, je vais prévoir pour 1,5 litre d'eau. Un petit oignon, une gousse d'ail qu'on va hacher finement, et bien sûr, les vermicelles. Alors, on se retrouve tout de suite. On va émincer très très finement l'ail et l'oignon. On va le faire revenir dans notre casserole et après, on va ajouter le reste. Encore une chose, je vais juste faire un mini déglaçage de mon ail et mon oignon juste avant de mettre mon bouillon avec un petit peu de vin blanc. Ça va être nickel. Je vais également prendre un peu de persil. Pour rajouter à la fin un côté un petit peu herbé, fraîcheur. Vous verrez, c'est pas mal. On peut aussi rajouter en toute fin, on peut mettre un peu de fromage. Ça passe bien aussi. Alors, hacher le persil. On fait assez fin. On le fait une fois que c'est déjà presque en train de bouillir. Là, je l'ai acheté hier au marché. Donc, on est vraiment sur du très très frais. Alors, notre casserole, elle commence à chauffer gentiment. On va mettre un bon filet d'huile d'olive qu'on va laisser chauffer 2-3 minutes. On va ajouter ensuite l'ail et l'oignon. Vous voyez, il faut que ça chante quand ça tombe dedans. Il faut que ça chante déjà un petit peu. Pas trop fort, le but, c'est de pas les colorer trop. Voire pas du tout, si on arrive. C'est vraiment y aller en douceur. Voilà. On voit que ça va plutôt pas mal là, hein, c'est sympa. Les odeurs, dommage, vous les avez pas.
Surtout, quoi qu'il arrive, on ne rajoute pas de sel à ce moment-là. Je vais poivrer légèrement. Et je vais déglacer avec l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe de vin blanc. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on va ajouter notre bouillon et on va mélanger. Perso, j'aime bien le faire maintenant quand il n'y a pas trop de liquide dedans. Et après, une fois que c'est bien dissous dedans, alors moi ce que j'ai fait, vous avez vu, hein, j'ai vraiment bien détaché le cube bouillon, qu'il soit vraiment nickel. Et maintenant, on va y mettre de l'eau. Je vais y mettre à peu près l'équivalent de 1,5 litre. Alors là, j'ai opté pour de l'eau froide. C'est mon choix. Comme ça, ça fait une coupure et ça va remonter avec les odeurs et tout ça, ça va remonter en goût et en puissance. Et là, ça, on va laisser réduire 5-10 minutes. Une fois qu'il y a une petite ébullition, on laisse cuire quelques minutes, 5-10 minutes, et après on va mettre nos vermicelles, la cuisson des vermicelles, et on est paré pour la suite. On voit que ça bout bien, et là, on va mettre pour 6 minutes nos vermicelles. On mélange un petit peu, et on met un minuteur, 6 minutes. Et on se retrouve juste après pour dresser notre plat. On est à la moitié de cuisson de nos vermicelles et là je vais rajouter mon persil qui va donner un petit goût encore en supplément à notre bouillon aux vermicelles. Et voilà, notre soupe elle est prête, il n'y a plus qu'à la servir. Bien chaude, c'est ce qui compte. Il y en a qui rajouteraient encore du fromage dessus. Après, c'est vraiment vous qui décidez de comment vous aimez votre soupe, vous pouvez mettre des croûtons. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Comme d'habitude, les ingrédients, je te mettrai tout le descriptif dans la description. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, active la petite cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. En attendant, porte-toi bien, lâche un petit like avec un petit commentaire. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao.